qu'il y aura un dialogue et on va trouver un consensus pour aller aux élections, ou soit on n'ira pas aux élections. Mais de quels moyens disposez-vous si le RPT fait son forcing pour organiser les élections? De quels moyens disposez-vous pour les empêcher d'organiser les élections? Mais vous savez, les problèmes de stratégie ne se discutent jamais en public. Vous n'allez pas moi me demander de vous dire ici les problèmes de stratégie et tout ça. Je suis désolé, hein. Même dans les partis politiques, ça ne se discute pas au niveau des, par exemple, du bureau national. Ça se discute toujours dans les comités très récents. Pour ce que vous savez, parce que je ne vais pas vous étaler ici sur la place publique les stratégies du CST pour mais je crois qu'il est essentiel de savoir que nous n'allons pas nous laisser faire. Et ça, c'est clair dans la tête de tout le monde que nous n'allons pas nous laisser faire. Maintenant, les moyens, nous les donnerons au moment opportun. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant à propos de certaines démissions au niveau de l'ANC, notamment de M. Poulavor et de M. Brassier? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que la lutte que nous menons est très difficile. Les sacrifices sont terribles. Et la souffrance du peuple togolais est telle que ceux qui décident de lutter et qui, à un moment ou à un autre, créent des problèmes, bon, partiront, je dirais, demain. Monsieur Brassé et Monsieur Toulabor, moi, je ne suis pas allé les voir pour qu'ils décident au moment où nous avons décidé de créer l'ANC, de venir adhérer à l'ANC. Ils ont pris sur eux toute liberté d'adhérer à l'ANC. Et je crois qu'il faudrait qu'on leur reconnaisse également la liberté s'ils estiment que ce pourquoi ils ont adhéré à l'ANC, ils ne le retrouvent pas, de partir. Bon, moi, c'est tout ce que je voudrais dire, sauf que, bon, les lettres de démission qu'ils ont rendues publiques. Moi, j'ai adhéré à l'ANC, à l'UFC d'abord, par conviction politique. Et lorsque M. Jécris Olympio a dévié complètement le sens de la lutte pour laquelle moi j'ai adhéré à l'UFC, ben, ensemble avec d'autres personnes, on a dit, mais nous, on n'est pas, c'est pas pour ça qu'on a décidé de lutter pour le Togo. Et on s'est concerté, et ceux qui se sont retrouvés dans ce que nous faisons, nous avons convenu ensemble, nous avons créé l'ANC. Mais je remarque aujourd'hui que, bon, dans les lettres de démission de M. Toulabor et de M. Brassier, vous verrez qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a eu des circuits parallèles, quelqu'un a acheté une imprimante, etc. Et tout ça. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas adhéré à l'ANC pour voir que M. Fabre a froncé le sourcil et tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord et tout ça. Et donc, je m'en vais. J'ai adhéré à l'ANC par conviction politique. J'y suis. Lorsque la conviction politique pour laquelle je suis là, ou bien l'objectif politique pour lequel je suis à l'ANC, ne seront pas aidés, si je décide de partir, je partirai. Mais je ne partirai pas parce que quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça, je partirai parce que je ne me retrouverai plus dans la ligne politique tracée par le parti politique. Voilà tout ce que moi je veux dire. Aujourd'hui, vous avez vu, monsieur Toulabor a sorti un boulot sur l'ANC avec plein de choses et tout ça. Moi, j'étais à la réunion de l'ANC, lorsque il était rentré, il avait fait ce boulot-là, les gens se sont interrogés sur le fait que lui, qui est vice-président de la Fédération internationale, puisse tirer contre son propre camp au lieu de venir poser le problème en politique. Bon, il n'a pas pu répondre, mais je dis, nous voulons faire la démocratie, chacun est libre de penser, mais ce